Bonjour et bienvenue à CRFRH 88.1 et 106.7 à la question Métis. Mon invité est Gilles Grenal du Lac-Saint-Jean, de la région de Lac-Saint-Jean. Et bonjour Gilles, peux-tu nous dire ce que tu fais là-bas, puis d'où tu viens, dis-nous ton histoire, puis comment que ça a commencé dans le parc mexicain? Bonjour. Je suis à Gérardville, au nord du lac Saint-Jean, qui est une des régions au nord du Québec. Je suis installé ici depuis maintenant 25 ans. Au départ, je suis originaire de France. Je suis venu la première fois en 87 faire une descente de rivière en canot. En fait, au départ, dans une ancienne vie, j'étais professeur d'éducation physique. Puis après, j'ai fait beaucoup d'encadrement de plein air. J'ai commencé à venir au Québec pour faire des expéditions canot. On a fait une première, deuxième, troisième. Okay. Je résume un petit peu. Et avec le temps, on a décidé de venir faire à temps plein ce qu'on faisait à temps partiel, c'est-à-dire venir faire partager cette passion des activités de plein air. Et donc, on est venu s'installer au nord du lac Saint-Jean. Au départ, on est venu par hasard parce que on est venu pour descendre la rivière Mistassini. Donc, c'est une belle rivière comme il y en a plein d'autres, mais on va dire un petit peu par hasard. Puis on a rencontré des personnes avec qui on a sympathisé. On est revenu l'année d'après faire une expédition de 3 mois. Parce qu'on était venu descendre à Mistassini sur un séjour d'un mois. On est revenu avec ma conjointe faire une expédition de 3 mois, automne à hiver, 88. Puis une autre expédition. Et puis à un moment donné, on s'est installé dans la région. Et on est installé en permanence depuis maintenant 25 ans. Et donc on a créé une base de plein air aventurelle où on offre des activités guidées l'été, principalement en canot, d'une journée à des expéditions de plusieurs jours. Et il se trouve que la région, on est dans ce qu'on appelle la région des grandes rivières, puisque sur une distance d'à peu près 50 km, on peut trouver 4 rivières avec des profils très différents qui va de très facile à, je vais pas dire extrême, mais à, pour confirmer, dont la Mistassini Nord-Est, qui est une rivière très connue au Québec et en Ontario aux États-Unis. L'hiver, on propose des activités traîneau à chien, motoneige, multi-activité. Donc, et pareil, sur des séjours, on est spécialisé sur des séjours de longue durée. Donc, c'est surtout des 5 jours. Donc, et on fait ça depuis 25 ans. Et, donc, à encadrer. Notre clientèle était, donc, jusqu'à l'année dernière, essentiellement européenne parce qu'on faisait principalement des séjours de longue durée. Donc, depuis un an, on s'est un petit peu réinventé. Mais nous, l'idée, c'était ça. On n'offre pas beaucoup d'activités de très courte durée. C'est nous qui me plaisait. Partir en expédition avec les groupes sur de 5 à 10 jours. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Parallèlement à ça, depuis 2002, on a créé un centre d'observation et d'interprétation des loups, le parc Mahican, puisque Mahican veut dire loup en Innu, qui sont les Indiens de la région d'où on est là. Et donc, l'objectif, c'est de voir des loups en semi-liberté dans de très grands enclos pour essayer de voir des loups avec un comportement le plus naturel possible. Ce n'est pas un zoo. C'est pas une réserve, c'est, j'allais dire, on va entre les deux. Donc, il y a la possibilité de venir en retour. J'allais dire pas beaucoup de personnes, parce que c'est pas retour, peu de personnes à la fois. On a 4 écologues à l'intérieur du parc, parce que l'objectif, c'est de venir, en dormant près des loups, en les entendant hurler, en les voyant observer, ça modifie pas mal. Parce que l'objectif du parc, c'est ça, c'est de modifier un petit peu la connaissance qu'ont la majorité des personnes, parce qu'en fait, le loup, c'est un animal un peu particulier. Qui laisse personne indifférent. Comme je dis souvent, il y a des personnes qui sont passionnées par les oiseaux, il y en a qui sont passionnées par les insectes, et puis il y a beaucoup de personnes qui s'en moquent complètement. Les loups, ils laissent personne indifférent. Entre les gens qui le mythifient, puis les gens qui en ont une peur bleue avec toutes les histoires qui se racontent dessus. Donc tout le monde a une idée dessus, et le problème quand on a une idée sur sans connaître réellement, il y a beaucoup d'idées fausses là-dessus. L'objectif du parc, c'est ça. Voilà pour résumer un petit peu nos activités, puis ce qu'on fait à temps plein, parce que c'est une activité qui nous occupe beaucoup, beaucoup, depuis maintenant 25 ans. Comment ça a commencé, ton affaire avec ton amour avec les loups, là? Comment ça a commencé exactement? Comment ça a commencé, en fait, c'est comme les autres activités. Je ne sais pas s'il y a eu un début. Pour simplifier, je ne connais personne, je ne connais pas le mocheur, donc des gens qui ont des chiens nordiques, qui n'ont pas un attrait particulier pour le loup, là. Ce qui s'est passé il y a maintenant quelques années, là, c'est qu'à ce moment-là, on avait un petit peu de temps. Ça a bien changé depuis ce temps-là. Là.
Donc, on avait un petit peu de temps, de l'espace, parce que c'est vrai qu'on est une région où il y a beaucoup d'espace. On avait pas mal déjà de terrain qu'on utilisait pour nos activités. Et donc, on a vu que c'était possible de créer un centre d'observation pour les loups, parce que c'était quelque chose qui était... Ben, on avait déjà une certaine, je veux dire, reconnaissance au niveau de la... de ce qu'on faisait au niveau du tourisme. Donc, on est allé chercher un permis, comme un permis de zoo, même si nous, on n'a que des loups, donc c'est un permis de zoo. Au départ, on avait 5 loups, parce que tous nos loups sont nés en captivité. Ce n'est pas des loups qu'on est allé capturer en milieu naturel. Donc, nos premiers loups, avec le permis, viennent d'autres parcs. Il y avait des loups de plusieurs parcs. On est allé chercher 5 jeunes loups, 5 louveteaux, qu'on avait dans un petit enclos, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, parce qu'en fait, on est entièrement privé. Dans le sens où, comme on n'est pas un organisme à but non lucratif, c'était très difficile d'avoir une subvention. Donc, on a fait pour nous, pour parler des loups, on ne pensait pas qu'il y avait besoin d'avoir 50 loups au même endroit. On avait créé une petite meute de 5 loups avec des jeunes louveteaux et un petit enclos. Ce n'est pas si petit que ça, mais par rapport à ce qu'on a maintenant, oui. Le problème qu'on a eu, au départ, c'est que les louveteaux ont été sortis de leur meute trop tard. C'est-à-dire ils étaient déjà intégrés dans la meute où ils venaient. Donc, quand ils sont arrivés chez nous, quand ils allaient les amener chez nous, ils étaient un petit peu stressés. Et on avait sur les louveteaux, ce qu'on voit encore de moins en moins, les gens ne connaissent pas ça, mais on voyait beaucoup dans les parcs animaliers avant, ce qu'on appelle les comportements stéréotypés. Les animaux qui font des allers-retours entre deux bouts de grillage, qui tournent sur place. On voit souvent les ours se balancer d'un pied sur l'autre. C'est des animaux en général qui sont stressés ou pour le visiteur ou des surfaces d'enclos très trop restreintes. On voit ça de moins en moins avec les parcs animaliers actuels. Mais nous, l'objectif, c'est de voir des loups avec un comportement naturel et ça, c'est pas un comportement naturel. Du coup, dès qu'on a pu, parce qu'en fait, c'est les activités d'aventure qui nous ont permis de créer le parc au départ, dès que les activités d'aventure nous ont permis de mettre un petit peu d'argent de côté, en fait, on a agrandi le parc. On a agrandi l'enclos parce que on trouvait que les loups n'avaient pas un comportement qui correspondait à ce que nous, à rien de naturel. Et en fait, c'est pour ça que notre parc est devenu assez grand, puisque c'est un des plus gros parcs, le plus gros centre d'observation des loups qui existe. En tout cas, si ce n'est pas le plus grand, c'est le seul où il y a autant de loups, autant d'espace et si peu de visiteurs à la fois. Et en fait, à partir du moment où on a agrandi l'enclos avec nos premiers loups, ces loups-là ont cessé d'avoir ce comportement-là. Je ne dis pas qu'ils venaient se faire caresser à travers le grillage, mais en fait, ils étaient moins craintifs, ils venaient s'approcher davantage des personnes, parce que comme l'enclos est très grand, s'ils veulent, ils peuvent se cacher, ils peuvent partir. Donc du coup, c'est le... Si notre parc est grand, parce que maintenant, on a 3 grands enclos, on a 40 loups en 3 mètres, souvent, on peut faire le tour d'un enclos et puis ne pas voir de loups. S'il fait très chaud, si les loups sont un peu stressés, s'ils trouvent qu'il y a trop de monde, ils vont se mettre à l'abri. Par contre, dès qu'on passe un peu de temps, dès qu'on dort dedans, on est capable d'en voir beaucoup. Et en fait, le parc est devenu assez grand, pas parce qu'on voulait, mais c'est parce que c'est les loups qui nous ont, entre parenthèses, obligés à agrandir, à nous adapter à ce qu'ils voulaient. Et en fait, la chance qu'on a eue, souvent je parle de ça, c'est que si on avait investi autant, si on avait en une fois, c'est-à-dire qu'on a créé le centre, investi ce qu'on a investi depuis, on aurait certainement fait un parc animalier qui ressemble à la majorité des parcs, en ayant beaucoup de visiteurs à la journée. En fin de compte, on a très peu de visiteurs qui viennent à la journée, d'abord parce qu'on est quand même éloigné des grands centres, et la majorité des personnes viennent passer une nuit pour dormir près des loups. En fait, on a peu de personnes, mais ils passent plus de temps. Et on s'est aperçu que l'impact qu'on peut avoir sur les personnes et sur la connaissance, même si ce n'est pas énorme, c'est beaucoup plus important que les personnes qui viennent passer juste deux heures dans un endroit-là. Le fait de passer la nuit, là où on s'en est aperçu, c'est parce que, pour donner un exemple, une petite anecdote, on a 4 écologes. Donc, et puis on a, je me rappelle, il y a quelques années, une famille qui était venue avec une petite fille qui devait avoir 3-4 ans, là, et ils ont passé 2 nuits dans un des écologes. Et les parents avaient eu une visite guidée avec moi. La petite fille, au bout de 3 ans, j'ai tendance à parler beaucoup plus vite, c'est sûr qu'au bout de 10 minutes, au bout de 30 secondes, elle n'écoutait plus, elle courait partout. Donc, ce que j'ai pu dire sur un loup, c'est très, très moyennement. Pendant la nuit, ce qui arrive très souvent, les loups sont mis à hurler. Et c'est vrai que quand tu es dans une cabane en bois, au milieu des bois, parce qu'en fait, on a essayé que l'environnement soit le plus naturel possible, quand les loups te réveillent en hurlant, c'est assez impressionnant. Et la petite fille s'est mise à pleurer. Elle avait eu peur. Là. Les parents lui ont expliqué que c'est les loups, c'est un comportement, c'est une communication. Comme on l'a expliqué, elle s'est rendormie. Ils ont passé une deuxième nuit. La deuxième nuit, les loups n'étaient plus de service, ils ont remis à hurler. Ça a réveillé la petite fille. Là, la deuxième nuit, elle a dit « Ah, c'est les loups, elle s'est rendormie. » C'est les parents qui m'ont raconté cette histoire.
Et en fait, ça montre bien que le fait d'être passé là, même si elle n'avait pas eu d'explication particulière sur Giroud, le fait de passer un peu de temps, ça avait modifié un petit peu son comportement. Et donc, on a décidé de s'orienter davantage sur ça que sur des activités, d'avoir beaucoup de monde en peu de temps. Et c'est la même chose en fait, qu'on faisait déjà sur des activités d'aventure. Quelqu'un qui va faire du traîneau à chien, de la motoneige, du traîneau sur une journée, c'est fantastique. Quand tu passes 4-5 jours en milieu naturel, avec une activité de ce style-là, ben, tu n'as pas la même approche. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on est dans une dynamique, au niveau société, occidentale, d'en vouloir faire beaucoup, peu de choses, mais beaucoup. Là. Et puis, donc, si je regarde, il y a une vingtaine d'années, on faisait des séjours de 15 jours en canot. On est passé à des séjours de 4-5 jours. Parce qu'en fait, les gens ont tendance à vouloir voyager davantage, à vouloir, mais moins longtemps. Depuis un an, la tendance s'inverse un petit peu. Et c'est vrai que quand on voyage moins, mais plus longtemps au même endroit, on profite davantage. Que ce soit la forêt, c'est la forêt boréale, les activités. Puis, le savoir-faire, où tu as pris ça pour. Est-ce que tu avais quelqu'un qui t'a aidé pour te guider avec les loups? Comment ça s'est fait? Ma connexion à tout à fait. Ton savoir-faire, comment tu as eu ton expérience pour travailler avec les loups? Tu avais quelqu'un qui t'avait aidé pour ça? En fait, c'est venu petit à petit. J'ai appris beaucoup d'autres personnes de parcs. Comme beaucoup de personnes, il y a énormément d'écrits qui tiennent la route sur les loups. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites parce qu'en fait, le loup, comme j'ai dit tout à l'heure, même s'il y a. Si on continue à garder certaines informations sur le loup qui ne correspondent plus à la réalité, parce que c'est très, très, très difficile de changer des fois les idées qu'on a là. Il existe beaucoup d'écrits et beaucoup d'études qui ont été faites qui sont très intéressantes. Donc ça m'a aidé beaucoup. Mais ce que je veux dire qui m'ont appris le plus, ben, c'est les loups eux-mêmes. D'être avec eux, j'étais encore avec eux cet après-midi. On est allé en nourrir. Parce qu'on a des loups. Actuellement, tous les loups qu'on a sont nés chez nous. C'est-à-dire les premiers, donc il y a 12 ans, là, sont déjà arrivés adultes, ben, le dernier de cet âge-là est mort de vieillesse en début d'hiver. Mais donc tous les autres sont ici, mais on n'a pas cherché les alicats sur leur comportement. Donc on est capable d'entrer dans les enclos pour leur donner à manger. On y rentre le moins possible pour les laisser tranquilles. Mais en fait, c'est l'observation et puis de les voir qui m'ont appris en parallèle des écrits scientifiques qui ont pu être faits. C'est les loups qui m'ont appris. Comme ça a été la même chose avec les chiens. Passé beaucoup de temps, j'ai des chiens depuis 40 ans. Mon comportement, même si je connaissais, si j'avais appris beaucoup de choses, l'attitude qu'on peut avoir avec les chiens, et puis 40 ans après, avoir vécu avec les chiens, mais ils t'apprennent autant que ce que tu vas apprendre à dire. Donc, on a appris beaucoup avec ces loups-là. Et à un moment donné, on a toujours une meute qui est imprégnée. C'est-à-dire, imprégnée, ça veut dire que ce sont des louveteaux qu'on avait, fait aller chercher à la naissance. Qu'on a imprégné, qu'on a nourri au biberon. Et puis après, pourquoi on faisait ça? Donc, les règlements au niveau du Québec ont changé, donc c'est quelque chose qui est possible. On avait fait ça les premières années parce qu'en fait, notre problème dans le parc, j'ai expliqué tout à l'heure que tous nos loups sont nés chez nous maintenant, là. Malheureusement, je dis ça entre parenthèses, ils ont l'air d'être vieillis. Et donc, du coup, on a des bébés à chaque année. S'il n'y a aucun contrôle qui est fait, tu vas te retrouver avec beaucoup de loups dans l'enclos. Et si tu as un grand enclos avec trop de loups, ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas mieux là. Donc il faut contrôler le nombre de loups. Dans un parc animalier, il y a des endroits où on va contrôler en enlevant les vieux animaux. Nous, ce qu'on a décidé de faire en priorité, c'est sortir les bébés. Pourquoi? Parce qu'en les imprégnant, imprégner, ça veut dire que c'est leur faire perdre cette peur naturelle qu'ils vont avoir au niveau de l'homme. Et ça, c'est possible dans la phase d'imprégnation de tous les animaux qui vont être, social, puisque le loup est un animal social, il y a je schématise un petit peu là, c'est pas aussi simple que ça, mais ils ont une période pendant laquelle ils vont laisser approcher presque tout ce qui s'approche. Parce que normalement, ce qui s'approche, c'est un meute. Donc, ça leur permet de découvrir le meute, s'intégrer dans leur meute. Si on les prend à cette période-là, ils sont moins craintifs. Et quand on les envoie dans un autre parc, ils n'ont pas le stress des louveteaux qu'on avait eu au début. Et donc, ils ont moins de stress, ils vont s'intégrer beaucoup plus facilement à leur nouvel environnement. Et du coup, c'est plus facile de les transférer dans un autre parc. L'inconvénient de ça, c'est que du coup, pendant quelques années, on n'avait pas beaucoup de louveteaux. Et les louveteaux, les bébés animaux ont tendance à attirer les visiteurs. Pour donner un exemple, depuis 20 ans qu'on a des loups, 15 ans là, presque 20 même, on m'a,
On me téléphone presque tous les printemps pour savoir si on a des louveteaux. On ne m'a jamais téléphoné pour savoir s'il y avait de vieux loups. Les vieux, ça n'attire pas beaucoup les personnes. On a imprégné des louveteaux les premières meutes il y a 12 ans. On a fait une première portée d'ailleurs. Et bêtement, comme c'est les premiers louveteaux, on s'y attachait. Ils sont toujours là. Alors, on leur a construit un autre enclos à part. Parce qu'en fait, notre parc, on a une meute de louvre, une meute de louarkic et cette meute de loup imprégnée là. Et c'est sûr qu'on a eu un contact plus étroit avec eux parce qu'ils avaient envie de nous voir, ainsi de suite. Et eux aussi nous ont appris beaucoup, beaucoup de choses sur les loups. Puis là, votre programme, vous avez des programmes à 4 saisons. Puis là, vous faites du canot, vous faites des expéditions, vous faites du mushing avec les chiens. Oui. Oui. On fait aussi de la motoneige. Puisqu'en fait, on a des séjours, comme j'expliquais tantôt, on se fait beaucoup d'Européens. Et comme on en a parlé un petit peu, à un moment donné, les personnes veulent un peu de temps. Ils viennent une semaine ou 10 jours au Canada. Parce que pour beaucoup d'Européens, le Canada, le Québec, ils ne font pas beaucoup, beaucoup de différence. Et là, ils veulent tout faire en même temps. Donc, on a un séjour où on fait 2 jours de traîneau à chien, une journée qu'on passe avec les loups, 2 jours de motoneige pour découvrir un petit peu ces activités-là. En traîneau à chien, on fait beaucoup de l'expédition de 5 jours. On faisait aussi l'expédition de 7-8 jours à la Baie James. C'est des jours d'un peu de longue durée. Et l'été, avec le même principe avec les canots, puisqu'en fait, on est dans un pays où on a 4 saisons, avec 4 saisons, en fait, c'est-à-dire 3 saisons très intéressantes au niveau des activités de plein air. Le printemps étant un petit peu moins intéressant, parce qu'en fait, ce n'est pas encore possible de faire des activités d'été, plus vraiment de faire des activités d'hiver. Donc, ça dépend d'une année à l'autre. Mais que ça soit été, automne et hiver, c'est 3 périodes magnifiques pour faire des activités. Que ce soit au Québec ou n'importe où ailleurs au Canada. C'est quoi qui apporte les gens là-bas? C'est pas seulement le parc, mais est-ce qu'il y a d'autres activités, d'autres choses qui apportent là? C'est le parc principalement dans votre région qui est le plus important? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font des activités comme nous dans la région? Oui. Non. Oui, il y en a. Oui, continue. Oui, pardon. Continue. Non, il n'y a pas énormément de personnes qui en font parce que non plus, avec le, surtout pour les activités, parce qu'on est situé quand même loin des centres, on est quand même à presque 600 km de Montréal. Les gens viennent pour faire des activités, il n'y a pas de passage. Donc, vivre d'une activité comme ça, c'est vrai que ça, maintenant, on a une base qui fonctionne bien, mais on reste toujours en petit groupe. On ne reçoit pas beaucoup de personnes à la fois. Mais ça a été long à pouvoir vivre de cette activité. Les premières années, c'est sûr que c'était difficile. Comme n'importe quel commerce qui commence, il y a des années qui sont difficiles. Le tourisme ne fait pas partie des activités, puis on le voit même actuellement, ne fait pas partie des activités prioritaires. Et donc, démarrer, ça a été difficile. Maintenant, on est une petite équipe parce que même quand on pouvait recevoir sans problème de distanciation, nous, en chien traîneau, c'est le groupe de 4 maximum. En multi-activité, c'est la même chose. Donc, du coup, même si on a une base avec plusieurs hébergements, on ne recevait pas beaucoup de personnes à la fois. Donc, c'est difficile de rentabiliser avec peu de monde. Mais on préfère avoir moins de monde qui reste longtemps et qui font une vraie expérience qu'avoir des activités. Faire des petits tours en traîneau à chien, ce n'est pas quelque chose qui… Je ne pense pas qu'au bout de 25 ans, je continuerai à faire des randonnées d'une demi-journée ou de 2 heures. Ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Pas parce que ce n'est pas bien, mais parce que ce n'est pas ce qui nous intéressait à nous. Mais c'est sûr que c'est assez difficile. Ce qui nous a permis, parce qu'en fait, maintenant on en vit, mais c'est un mode de vie. Si on regardait les revenus, et ça c'est la même, et on n'est pas les seuls, beaucoup d'amis sont dans le même cas, les revenus par rapport au temps qu'on passe, que ce soit pour les loups, que ce soit pour les activités de chiens aussi, ça fait pas un revenu qui est énorme. C'est vraiment un mode de vie. Quelqu'un qui, il n'y a personne qui fait ce genre d'entreprise en se disant, c'est un créneau intéressant, je m'enrichis en faisant ça. Ou alors ceux qui font ça se sont un petit peu trompés de créneau. C'est vraiment c'est un mode de vie et parce qu'on y trouve un intérêt à chaque jour. Je vais aller nourrir les loups tout à l'heure, j'ai passé 2 heures avec eux, c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose qui est rentable en termes d'activité, mais qui est très enrichissant et c'est pour ça qu'on le fait. Les gens qui viennent, ils viennent spécialement pour le mode de vie que vous présentez, là? Les personnes qui viennent, ça a évolué au bout du temps. Au début, c'est des gens qui venaient pour vivre une aventure un peu extrême. Maintenant, de plus en plus, des personnes, on le voit partout, des personnes qui ne faisaient pas de plein air il y a
dizaine d'années, se mettent à en faire et ont envie de vivre un petit peu plus, et ça risque d'être encore un petit peu plus avec la, si on se sort de cette situation-là. Mais là où on le voit, c'est que du coup, pour donner un exemple, quand on faisait nos randonnées en traîneau à chien, on dormait sous tente, une tente d'article qu'on montait au fur et à mesure, ainsi de suite. C'est de moins en moins possible, parce que la majorité des personnes, ça fait une activité qui est trop difficile. Avoir une journée de traîneau à chien complète, monter le campement, dormir sous tente, pour beaucoup, c'est trop. Donc là, donc, si on a ça, on a aménagé beaucoup nos campements, qui restent des refuges, dans des chalets en bois rond qui restent rustiques, mais entre dormir dans une tente et dormir sur un matelas dans un camp chauffé, c'est beaucoup plus facile pour certaines personnes. Donc, le style clientèle a évolué dans le temps. Nos séjours restent les mêmes, mais on les a rendus un petit peu plus faciles parce que du coup, on a deux camps dans lesquels on a aménagé des saunas. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au bout de sa vie, après avoir une journée de conduite d'attelage, ben, il peut rentrer ou se mettre au chaud une fois que le camp chauffe, et puis il va pouvoir récupérer. Alors que si il est sous la tente, ben, ça rajoute, en soi, c'est une activité, dormir sous tente en hiver, c'est une activité qui est intéressante, même avec poids à la voix, sauf que dans la nuit, quand tu veux sortir, quand tu le, ben, c'est un peu plus compliqué. Entre de manger assis une table, dormir sur un matelas ou dormir par terre, ça rajoute une difficulté au niveau des personnes. Donc, avec le temps, on a toujours, je veux dire, nos aventuriers à la base, l'activité, et puis c'est pas la même chose. À d'autres endroits aussi, sont capables de faire des activités aussi, même s'ils n'ont pas une grosse expérience. Avant, ces personnes-là allaient dans des hôtels où il y avait la possibilité de faire du canoë à chien, de la motoneige, ainsi de suite. Mais là, en fait, ils allaient d'abord dans un hébergement et faire une activité à côté. Nous, en fait, on vend une activité et on a essayé d'améliorer avec le temps nos hébergements, rendre accessible au maximum de personnes, non bien quand même pour les activités. Pour donner un exemple, la même chose au niveau des loups. Souvent, on reçoit, c'est la seule activité qu'on peut faire maintenant, c'est nos hébergements. Les personnes me demandent, est-ce qu'on peut dormir? Est-ce qu'on a des chalets à le jouer? Et en fait, je vais demander, pourquoi faire? C'est une question qui paraît un peu bizarre. Je me rappelle une fois, un gars qui m'avait dit, c'est pour se faire un petit feu dehors, prendre une bière, se faire griller quelque chose. Et je lui avais dit, en fait, c'est pas la place. En fait, on peut prendre une bière dehors, se faire un petit feu, parce que tous nos hébergements, les zoologues, ont une place de feu. Mais en premier, on vient pour dormir près des loups. Et c'est pas la même chose de se dire, je veux un hébergement et puis c'est cool, il y a les loups à côté. Nous, ce qu'on veut, c'est on vient pour dormir près des loups et c'est cool, on dort pas dehors. On est dans un hébergement un peu plus confortable. La nuance n'est pas énorme, mais c'est le genre de différence de clientèle. Les gens viennent pour dormir près des loups, ils viennent pour faire du chien traîneau. Pour que tout le reste, que ce soit notre camp de base, ainsi de suite, ça soit suffisamment confortable pour pouvoir accueillir des gens qui ont moins d'expérience de plein air. Bon. Donc, la clientèle a quand même pas mal évolué. Oui, oui, oui. Ça fait que je vois que dans ton expérience, depuis que tu es venu de la France puis tu es venu habiter ici, là, permanent, il y a une grosse affaire qui s'est passée. Il y a une grosse événement. Continue. En fait, oui. En plus, moi, ben, ça s'entend, même si ça fait 25 ans que je suis au Québec. J'ai pas vraiment un accent du Lac-Saint-Jean. Là. Oui, moi, oui, je venais du sud de la France. Voilà, c'est à Marseille. Et c'est vrai que c'est un climat un peu différent du nord du lac. Mais en fait, ce qui s'est passé, pourquoi l'intégration s'est bien passée, c'est que d'abord, au Canada en général, au Lac-Saint-Jean en particulier, les gens sont ouverts. C'est-à-dire, ça reste quand même par rapport à la France qui est un vieux pays. Les gens sont quand même ouverts. Et puis la notion je ne vais pas dire de coureur des bois, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Donc, et tout le monde a un grand-père ou un oncle qui a fait des choses. Donc, c'est par rapport à des vieux pays en Europe, c'est déjà plus facile. Donc, ça a été relativement facile de s'intégrer parce qu'on a fait aussi ce qu'il fallait. Mais surtout, c'est qu'on n'est pas venu du jour au lendemain. On n'est pas venu sur l'idée qu'on pouvait avoir. Il y a beaucoup de gens qui vont immigrer pour deux raisons. Ou parce qu'ils veulent quitter l'endroit où ils sont parce que ça ne marche plus. Et en général, ce n'est pas une bonne chose parce qu'à un moment donné, t'amène ton mal-être avec toi et puis ça te rattrape. Ou alors, il y a des personnes qui partent, j'en ai déjà vu, ils ont fait 15 jours de vacances quelque part, ils ont trouvé ça fantastique, et puis ils y vont. Et puis, vivre dans un pays et en tant que résident, on va dire même immigré, et un peu touriste, c'est pas la même chose. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'entre le moment où on a décidé de s'installer et la première fois où on est venu souvent, et il est venu petit à petit. En fait, on n'est pas venu pour quitter quelque chose, on est venu pour créer quelque chose. Et du fait qu'on a passé beaucoup de temps en expédition, j'ai aussi suivi des cours à l'Université du Québec à Montréal, j'ai travaillé sur Montréal, donc avant de s'installer, on a fait pas mal de choses. Et donc, quand on est arrivé, on a eu une vision réelle de la vie sur place.
ça aurait été peut-être différent si en 2 mois, on était passé de habiter à Marseille pour venir habiter à Gérardville. Le choc aurait été peut-être un peu important. Et puis c'est surtout que pour beaucoup de gens qui migrent, c'est ça, c'est l'idée qu'on se fait d'un pays et la réalité sur place. C'est-à-dire le Québec comme il est, comme on le voit actuellement par rapport à il y a 30 ans, c'est pas la même chose. C'est, mais c'est pas obligatoirement moins bien là. C'est là. Mais on a une vision plus juste. Oui, on prend une pause de 45 secondes.